deux jours que notre vieille fuit, j'en peux plus. Chérie, le plombier là. J'arrive, attendez, fais-moi voir. Ah non, non, du tout, je ne suis pas plombier, je suis juste la nouvelle. Ah, bah, entrez, je vous en prie. Alors, c'est la première fois? Non, du tout, c'est mon travail à plein temps depuis 3 ans. Je m'attendais à une fille, c'est un peu la surprise. Ah, on me le dit souvent, mais je suis très professionnelle. Mais y aurait-il des choses que votre fille aime faire en particulier? Elle aime beaucoup jouer à la poupée. Elle est aussi très fan de la Reine des Neiges. D'accord, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois. Ok, bah, très bien. Je veux pas vous gêner ou quoi, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, mais... Est-ce que vous êtes gay? Non, il n'y a pas de problème, je ne suis pas du tout gay, mais y aurait-il des activités que votre fille aimerait faire en particulier? Je veux pas vous embêter, hein, mais je fais très attention à ma petite fille, et y a rien de malsain dans la relation que vous avez avec les enfants? Non, du tout. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dans ce domaine en tant qu'homme, et c'est pas du tout facile. Mais m'accuser de pédophilie, juste parce que je suis un homme qui veut faire mon métier... Nounou, là, c'en est trop. Si j'aurais été une fille avec ses compétences, vous ne m'auriez pas dit ça. C'en est trop. Bonne soirée. Bonjour, allez-vous? Excusez-moi, j'ai un entretien d'embauche, je ne peux pas vous prendre pour l'instant. Eh bien, c'est moi. Je vous ai envoyé un mail récemment. Vous m'avez dit de venir aujourd'hui pour postuler. Moi? Je ne pense pas. Peut-être ma secrétaire qui recherche une assistante juste à côté. Excusez-moi, mais je suis venue ici pour devenir artisan maçon. On est en 2021, et je crois qu'il faut arrêter d'associer un genre à un métier. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est un métier très difficile et physique. Je ne vous pense pas assez compétent. Parce que vous pensez qu'une femme n'est pas assez forte pour construire une maison ou un mur? Non. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus. Je m'en vais. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai entendu tous les patrons dans le bureau. Je ne sais pas comment tu fais pour travailler avec un patron comme ça. Pourquoi? Il ne m'a pas pris. Quoi? Mais pourtant, j'avais bien regardé ton CV, il était parfait. Je pense qu'il préfère avoir un homme qu'une femme pour ce genre de poste. Il a peut-être dû te juger trop vite. De toute manière, je ne reviendrai pas.